Méditation alchimique du lotus d'or. Vous vous placez dans une posture confortable, favorable à la méditation. Vous placez la pointe de votre langue légèrement appuyée contre la base de vos incisives supérieures. Les paupières closes, vous détendez le bras droit parfaitement détendu. Vous détendez la jambe droite parfaitement détendue. Vous détendez la jambe gauche parfaitement détendue. Vous détendez le bras gauche parfaitement détendu. Vous détendez les épaules et le cou parfaitement détendus. Vous détendez les muscles du visage, le menton, les muscles des mâchoires, les joues, les muscles autour des yeux, le front. Tout le visage détendu, tout le corps détendu. J'effectue l'invocation suivante. Je me confie aux forces supérieures, je suis divinement protégé. Je me confie aux forces supérieures, je suis divinement protégé. Puis je me concentre à la base de ma colonne vertébrale. Lorsque j'inspire, je fais monter l'énergie de mon souffle tout le long de ma colonne vertébrale jusqu'au centre de mon crâne. Je fais cela plusieurs fois. Puis, continuant ainsi, à l'inspiration, à l'expiration, je fais redescendre l'énergie de mon souffle par devant mon corps, au niveau de ma surface cutanée. C'est-à-dire que je fais descendre l'énergie de mon souffle depuis le milieu de mon crâne vers l'avant de mon cou, le milieu de ma poitrine, le nombril, le muscle du périnée. Puis j'inspire, le souffle remonte le long de ma colonne vertébrale, etc. Il n'y a pas de temps d'arrêt en fin d'inspiration et en fin d'expiration. Il s'agit d'un flux énergétique doux et continu. Faites ce circuit à de nombreuses reprises. Cela doit rester doux et continu.
Pratiquez ainsi au moins 5 minutes, plus c'est encore mieux. Soyez présent, attentif. Avec l'entraînement, vous devriez ressentir des fourmillements le long de ce circuit énergétique. Soyez présent, attentif.
Puis vous vous concentrez au niveau du muscle de votre périnée. À l'inspiration, vous faites monter l'énergie dans l'axe central de votre corps, Sushumna du yoga. Faites cela à de nombreuses reprises, au moins 5 minutes, plus serait mieux. Pour cette nouvelle pratique, vous pouvez laisser se faire spontanément des temps d'arrêt entre l'inspiration et l'expiration. En fin d'inspiration, vous faites parvenir l'énergie du souffle entre vos deux sourcils. Soyez présent, attentif. Soyez présent, attentif. En fin d'inspiration, l'énergie du souffle entre vos deux sourcils. Soyez présent, attentif. En début d'inspiration, l'énergie du souffle provient du muscle du périnée, de ce niveau énergétique.
Soyez bien présent, attentif. Puis, tout en maintenant cette pratique énergétique, vous vous concentrez intérieurement dans l'espace entre vos deux sourcils. Cela, même quand l'énergie du souffle monte ou part du bas. À pratiquer au moins 5 minutes. Plus serait mieux. Donc, concentrez dans l'espace entre vos deux sourcils, mais l'énergie du souffle monte ou part du bas et en fin d'inspiration parvient toujours entre les deux sourcils. Faire toutes ces concentrations en même temps est un peu difficile au début, mais l'entraînement régulier vous permettra d'y parvenir aisément. En fin d'inspiration, l'espace entre vos deux sourcils devrait devenir vibrant, avec des sensations de pression ou de fourmillement. Une lumière peut se développer en ce point. La couleur de cette lumière peut varier selon les personnes. Quoi qu'il en soit, même si vous ne percevez rien, avec persévérance, vous y parviendrez finalement. Soyez présent, attentif.
Continuez d'être bien présent et attentif. Vous laissez aller votre respiration à son rythme naturel et vous vous concentrez maintenant uniquement dans l'espace entre vos deux sourcils et vous y visualisez une fleur de lotus dorée. Une magnifique fleur de lotus dorée s'épanouit entre vos deux sourcils. Restez concentré sur cette image. Au moins 5 minutes, plus serait mieux. Soyez présent, attentif à votre méditation. Il peut arriver que spontanément apparaisse dans l'espace entre vos deux sourcils un lotus, une autre fleur, un œil, un maître spirituel, etc. Dans ce cas, vous vous concentrez sur cette vision. Soyez présent, attentif à votre méditation.
c'est la visualisation entre vos deux sourcils qui devrait occuper le maximum de temps lors de cette méditation. Mais évidemment, c'est selon vos possibilités, vos disponibilités de temps. Puis, au bout d'un certain temps, vous effacez volontairement cette image visualisée ou cette vision. Pour ce faire, vous pouvez répéter plusieurs fois intérieurement « dissolution, dissolution » ou imaginez qu'une tempête de neige vient effacer cette image. Pour quelqu'un d'expérimenté, il est possible de poursuivre cette pratique pour l'orienter vers le voyage de l'âme. Mais pour quelqu'un de non suffisamment entraîné, mieux vaut ne pas poursuivre au-delà. Finalement, vous recommencez calmement la pratique du souffle énergétique du début, inspiration depuis le bas de la colonne vertébrale jusqu'au centre du crâne, suivi de l'expiration qui cette fois-ci se termine en fin de parcours dans le nombril. Faites ce circuit énergétique au moins 5 fois. Puis imaginez que l'excès d'énergie développé par cette pratique s'est accumulé dans votre nombril, ce qui sera utilisé par votre corps en cas de besoin, mais en tout cas sans engendrer aucun trouble. Puis vous reprenez bien conscience de la posture de votre corps. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. Vous tapotez la nuque, vous ouvrez les yeux. Vous pouvez frotter votre visage avec vos mains afin de régénérer votre peau. La séance est terminée.